c'est déjà mieux. On va avoir aujourd'hui les exceptions. Les exceptions, c'est les traitements d'erreurs. Alors, vous voyez que j'ai fait trois petits programmes, exception 1, exception 2, exception 3. Bon, j'ai eu beaucoup d'imagination, effectivement. Alors, le premier, c'est le cas le plus simple. En fait, je vais prévoir n'importe quelle erreur dans n'importe quel bout de programme. Alors, prenons un programme extrêmement simple, n'ayant aucune procédure, ni fonction, ni module, quoi que ce soit. J'ai juste print début du programme, puis ensuite une partie où je vais traiter l'exception, donc l'erreur. Donc, je commence avec la ligne ici, try, ici, ça. Et puis, ce qui signifie qu'à partir de là, les erreurs doivent être captées. Voici le bout de code que je vais exécuter. Donc, c'est ces deux lignes-là. C'est la fin de mon programme, c'est-à-dire je vais simplement calculer prendre un nombre au clavier, ensuite faire l'inverse et puis afficher l'inverse. Évidemment, il peut y avoir une division par zéro, il peut y avoir d'autres erreurs, vous allez voir. Par exemple, si on tape quelque chose d'autre qu'un nombre. Ensuite, évidemment, le mot except signifie que, attention, si une erreur se produit dans cette partie de code entre ces deux mots, à ce moment-là, je fais print error. Quel est l'avantage? Déjà, le programme ne s'arrête pas. Il me met print error en français au lieu de mettre un message en anglais, un truc bizarroïde. On va déjà essayer ceci pour voir ce que ça donne. Je ferme mon programme, je prends mon terminal qui doit être là, et puis je tape Python 3, prendre la dernière version, et il s'appelle exception, c'est la version numéro 1. Et puis ça me donne début du programme, entrer un nombre. Alors j'entre n'importe quoi, 5. Remarquez qu'il le prendra comme un nombre réel, donc 5.0. Et puis il affiche son inverse, c'est 0.2, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant évidemment, si je tape 0, j'ai le mot erreur qui apparaît. J'aurais pu mettre erreur division par 0 par exemple. Cela dit, je peux taper un autre type d'erreur. Par exemple, au lieu de taper un nombre, je tape du texte. J'ai aussi erreur. Donc, n'importe quelle erreur me provoque ce petit message d'erreur. Voilà, c'est très bien. Maintenant, on va voir le deuxième exemple. Le deuxième, où on essaye de traiter les erreurs un petit peu différenciées selon les différents cas. Alors, on voit que, par exemple, je peux mettre le même code, mais à la fin, je mets except 0 division error, ce qui est le code pour les divisions par 0. Et puis, à ce moment-là, dans ce cas d'erreur particulier, je mets erreur de division par 0. Puis, enfin, après un autre except, qui me signifie pour les autres cas d'erreur, je mets autre erreur. Évidemment, il peut y avoir plusieurs cas possibles. Comme ça, je suis sûr que je prévois à peu près tous les cas. Donc, à ce moment-là, j'exécute ce programme et ça me donne, il me faut mon terminal de nouveau. Et puis, je vais exécuter exception 2. J'entre un nombre, mettons par exemple de nouveau un nombre normal. Voilà, c'est l'inverse. J'entre toujours un nombre, mais cette fois un nombre, le chiffre 0. J'ai la division par 0. Par contre, si je fais, non pas une division par 0, mais simplement je tape du texte, on voit que c'est autre erreur qui arrive à ce moment-là. Donc, on arrive à faire une différenciation des cas et puis exécuter un code différent selon les erreurs. Puis, dernier cas, c'est ici exception 3. Alors, exception 3, ce serait pour mettre encore finally ici. En plus du reste, où j'ai rien changé, je mets print, le programme continue malgré tout. Autrement dit, au cas où j'ai eu des erreurs, je fais telle ou telle condition d'erreur. Et finalement, en cas d'encore autre erreur, je finis quand même par la suite. De toute façon, erreur ou pas, je finis par ceci. Et donc, ceci va s'exécuter qu'il y ait une erreur ou qu'il n'y en ait pas. On va essayer ça. Ce qui donne exception 3. Alors, évidemment, entrer un nombre, j'entre un nombre normal, il me met le
texte, et le programme continue malgré tout. Et puis même dans les cas d'erreur avec je tape n'importe quoi, quand même le programme continue malgré tout. Donc on arrive à continuer le programme malgré une erreur. Voilà, je crois que je vous ai montré un petit peu tous les cas d'erreur. Ben, à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir utiliser ça dans des procédures un petit peu partout, dans des fonctions, dans des modules, un petit peu où vous voulez. Et puis finalement, c'est un outil de programmation comme un autre. Merci de m'avoir écouté.